Salut les filles, j'espère que vous avez passé un super réveillon de Noël avec votre famille, avec vos amis. Pour ma part, c'était génial, comme tous les ans. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un concours que j'ai gagné début décembre, mais j'ai jamais trouvé le temps de vous filmer la vidéo. Donc ça y est, enfin je m'y mets. Je tiens juste à faire une petite parenthèse pour vous dire que grâce à Noël, j'ai eu en cadeau un nouveau téléphone portable. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça peut nous faire? Eh bien, tout simplement parce que je me filme toujours avec mon téléphone portable, tout simplement parce que je n'ai ni caméscope ni appareil photo. Et justement, le fait d'avoir un nouveau téléphone portable, bah, j'ai l'impression que la qualité de la vidéo est meilleure. Donc vous allez me dire ce que vous en pensez. Bon, là aujourd'hui, pour la luminosité, il commence déjà à faire nuit, donc je ne sais pas ce que ça vaut, mais j'ai l'impression que la qualité est plus nette. Donc on va passer tout de suite à la marque que je souhaitais vous présenter. Il s'agit de la marque Silaos, qui est une marque qui vient de l'île de la Réunion. Et en fait, c'est Milady Cosmétiques qui avait proposé ce concours sur son blog. Et j'ai été l'heureuse gagnante, j'étais trop 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 contente. Et surtout, vraiment, j'étais vraiment contente de gagner ce concours-là, tout simplement parce que c'est une marque que je ne connaissais absolument pas. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler comme ça, Silaos. Mais c'est une marque de cosmétiques bio, donc leurs produits sont certifiés Cosmé Bio et je crois peut-être EcoCert, mais en tout cas Cosmé Bio c'est sûr. Et ça a l'air d'être des gammes de produits très, très performants. En fait, donc ils utilisent de l'eau thermale Silaos, qui est très riche en minéraux et oligo-éléments. Donc voilà, c'est pas n'importe quelle eau, enfin c'est une eau thermale. La leur. Et également, ils utilisent des plantes rares, donc j'imagine qu'ils viennent de l'île de la Réunion, je ne pouvais pas vous le confirmer, mais en tout cas, c'est des plantes qu'on ne retrouve pas forcément par ici. Donc, c'est des produits qui ont l'air très très intéressants. Alors, je vais vous présenter tout de suite ce que j'ai gagné. Donc, j'ai gagné une petite trousse que je vous montre en photo, comme ça vous verrez mieux, qui contient trois soins. De 15 millilitres, donc c'est des petits, comme un peu des soins format voyage, on va dire. Il y a le gel fraîcheur lumière qui est un soin contour des yeux, la crème éveil protectrice qui est un soin de jour et la crème régénérante intense qui est un soin de nuit. Donc, moi je trouve les packagings super mignons et je me suis renseignée sur le site. Cette trousse-là elle coûte aux alentours d'une trentaine d'euros, je l'ai noté. Ouais, 31 euros. Donc vous imaginez quoi, c'est quand même c'est pas n'importe quoi ce qu'ils m'ont envoyé. Et bon, j'ai regardé sur leur site, les prix sont entre 18 et 25 euros pour la plupart. Donc c'est pas non plus des produits de luxe, mais c'est pas ce qu'il y a de moins cher sur le marché. Mais donc c'est vraiment des produits dont j'attends beaucoup. Parce que j'ai regardé la composition et vraiment elle est super clean. Il y a juste de l'alcool, c'est vrai. Dans la composition, il y a de l'alcool. Là, je regarde. Oui, elle n'est même pas en premier sur la liste. Elle est vers la fin de la composition, donc ça va. Et en plus, elle est d'origine bio, forcément. Et donc, le quatrième pour être plus précise, le quatrième soin que j'ai gagné grâce au concours, c'est cette mousse démaquillante. Elle est au gingembre et au combava. Et pareil, hein, la compo est très clean, il n'y a rien à dire à part l'alcool. Vraiment, c'est des produits que je trouve vraiment très élégants au niveau du packaging et très intéressants. Donc je remercie énormément le site Silaos, enfin la marque Silaos et Milady Cosmétiques pour m'avoir fait gagner ce concours. Je suis vraiment super contente. Alors je ne vais pas utiliser les produits tout de suite parce que j'ai encore mes produits de la marque Sanoflore et Melvita dont je vous ai parlé dans ma routine visage. À terminer et j'aime pas vraiment ouvrir les trucs tous en même temps. Là, ils se conservent 6 mois après ouverture, donc je vais voir plutôt peut-être vers le début du printemps, fin hiver pour les ouvrir. Mais en tout cas, je vous en parlerai, je vous donnerai mon avis peut-être dans des revues produits terminés ou produits favoris, pourquoi pas. Et je vous invite vraiment à aller voir leurs produits sur leur site, je vous mets les liens en barre d'infos. Voilà les filles, je vous dis à très bientôt, salut!